Je m'appelle Martin Bédard, je suis compositeur de musique électroacoustique. En réalité, c'est une musique qui est composée à base de sons que j'enregistre un peu partout, à l'intérieur, à l'extérieur. Ensuite de ça, à partir des sons que j'ai enregistrés, je les amène à la maison, je les mets dans mon ordinateur, je les travaille, je les édite, je les transforme, un peu comme le cinéaste fait avec les images. Je tourne mes sons, après ça, je vais dans un studio. Je monte mes images, je les traite, puis j'essaie de créer une œuvre qui est faite exclusivement de mes sons que j'ai travaillés, et j'essaie de donner du sens à tout ça. Ce qui est de la pièce que vous allez entendre, ça s'appelle Push and Pull. C'est une pièce qui, fondamentalement, est faite avec des matériaux que vous connaissez tous, c'est-à-dire des sons de train. La prémisse de la pièce a débuté quand j'étais très jeune. Donc, une pièce d'adolescent que j'écoutais, une musique autour de mes 16 ans, qui parlait beaucoup de ce tiraillement intérieur-là, qui était le pousser, le tirer, le push and pull constant, l'instabilité, donc une zone vraiment inconfortable. Ça faisait des années que j'avais ça en tête. Donc, le titre Push and Pull m'est resté. Et puis, un jour, je suis arrivé pour faire de la prise de son dans une gare de triage dans la région de Québec. Et puis, je voyais ces trains. C'est une matière sonore incroyable. Hein. C'est des tonnes d'acier qui sont bougées, frappées, cognées entre eux. Et là, je voyais, en fin de compte, cette phrase-là. Je voyais le pousser, le tirer de ces matières-là de plusieurs tonnes dans les gares de triage, et là, j'ai comme fait le lien que ça pourrait être le matériau idéal pour exprimer ce que je voulais faire. J'ai enregistré ces sons-là. C'est sûr que je veux faire de la musique avec mes sons de train. Je veux pas seulement vous faire écouter des trains. Donc, ce que j'ai fait après, c'est que j'ai voulu travailler le rythme. Le train, c'est un objet qui est très rythmique. Le train avance à une certaine vitesse. Je voulais ce sentiment d'urgence-là, ce sentiment d'aller en avant, ce sentiment d'être ralenti parfois, donc pour créer cette instabilité qui est la prémisse de départ du projet. J'ai pris ces trains, j'ai créé une rythmique avec eux. J'ai fait comme une batterie de train, en fin de compte. Une pulsation très rapide, incessante, qui est présente à travers les trains. Les trains se sont mis à devenir animés. Le métal s'est mis à devenir éclat, à devenir batterie, pulsation. Et j'ai pu faire comme ça une pièce d'environ une douzaine de minutes, qui est un véhicule métallique qui possède une certaine puissance sonore, qui avance et qui parfois est ralenti, stoppé pour créer cette zone d'instabilité. Malgré que le milieu de la musique électronique, numérique, est un milieu super effervescent à Montréal puis ailleurs dans le monde, c'est drôle, on dirait que fondamentalement, la chose qui m'influence le plus ou qui vient vraiment le plus m'interpeller dans mon travail, c'est le cinéma. Je trouve que le travail que je fais d'enregistrement de la prise de son, traitement de mes sons, montage de mes sons, ressemble drôlement au travail d'un cinéaste. Le langage cinématographique, le montage, tout ça m'interpelle beaucoup plus puis m'inspire beaucoup pour faire mes pièces. D'ailleurs, quand je fais de la prise de son, je parle beaucoup plus de faire un tournage sonore que d'enregistrer des sons. Et je trouve que le cinéma, fondamentalement, est quelque chose qui m'apporte beaucoup dans ma démarche de compositeur. Donc peut-être, j'espère, de faire une espèce de cinéma pour les oreilles.